Je pense que ça doit être des anciens sanitaires, ça on dirait des anciennes douches. La configuration elle est particulière. Ouais. Voilà, tu vois l'alimentation en eau. Et une sortie pour certainement pommeau de douche. Là le niveau est monté puisqu'il y a de la terre, hein, mais ça devait être beaucoup plus bas. Il faut voir les pommeaux de douche. Là c'est clair et net que c'était les douches. On va essayer de faire gaffe parce que là c'est en train de s'effondrer. Je pense que ça va être les chambrées. Ce qui est fou, c'est que la charpente elle a l'air intacte. Il va y avoir les lits à deux étages, puisqu'il y a des fenêtres en haut. Certainement une mezzanine ou.
je dirais l'ancien lavabo, enfin, l'ancienne paillasse. Avec les crochets là au plafond. C'est une installation électrique, un luminaire, en moitié d'isolation. Pareil, une ancienne chambrée, je pense que c'était certainement les gradés ici, les officiers. Je sais pas si elle était bouillée, c'était un ballon d'eau chaude à charbon ou à gaz ou à bois. À gaz, je pense pas, certainement à bois ou au charbon. Là, je dis que ça, pour moi, ça devait être les cuisines. Du cœur, l'ancien carrelage au mur. C'est par l'autre côté. C'est de prendre le moins de risques possible. C'est qu'on a fait attention au sol et au plafond. Wow. J'ai un ancien four. Les armures, on va aller voir ça plus près. Je vais faire un petit saut par ici. Donc ça c'est une pièce qu'on a vue tout à l'heure. Une petite lampe de plus en renfort. C'est la pièce par derrière. Non. C'est bizarre ça. Non, c'est pas une pièce là, ce serait. Là c'est fou parce qu'on voit encore des sacs de ciment là qui ont durci. Ça, ils sont vraiment d'époque. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose.
plus une pièce, hein. Je pense pas que ce soit un four aussi gros. Il va y avoir le four. Et une pièce derrière, par contre, j'ai pas vu d'accès pour y aller. Il serait où cet accès? Là, il y a une échelle apparemment. Parce qu'il y a une échelle. Et par ce côté, là, j'ai rien vu. Il n'y a pas de passage, non? Non, non, non. Donc ça serait bien par l'échelle. Tactiquement, par l'extérieur, on devrait voir la cheminée si jamais c'est un four. Donc là, on retourne sur les chambrées. Ah. Alors là, on a une inscription intéressante qui dit « À mon grand-père, Adrien, qui a tenu ici en 40. » C'est mouvant de voir de petits messages comme ça. Et donc cet ouvrage était quand même relié à l'électricité. Là, je vois qu'il y a des points de lumière. Là, il y a encore un morceau d'ampoule éclaté, mais qui est encore là avec sa douille, dans son jus. Je pense que le groupe électrogène a été enlevé parce que je l'ai pas vu. Pas mal de petites inscriptions, hein. S'il y a des héros, ce sont les déserteurs. Ce qui veut dire, selon cette inscription, que les vrais héros ont combattu et sont morts. Si on l'a fait, c'est là. J'ai vu si ça montait depuis longtemps. Oui, on l'a fait. J'y ai cru.
Et bien les amis, cette courte exploration se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager un max les amis. Tchou tchou.